Mais salutations les petits amis, c'est Psycho, alors devinez ce qu'on va faire dans ce nouvel épisode de Pikmin 2. On va aller chercher la pièce qu'on a connement abandonnée juste avant. Mais vraiment juste avant. C'est à l'entrée quoi. Voilà. Ils ont dû la reculer un peu parce qu'on était juste là. C'est totalement n'importe quoi. Bon alors on va en récupérer 13 évidemment. Voilà, 17, c'est très bien. Et voilà. Donc, nous avons récupéré cette pièce de malheur. Voilà, donc nous avons toutes les pièces de la zone. Ça, c'est bien. Alors bon, ce serait complètement stupide d'arrêter l'épisode maintenant. Nous sommes bien d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher... On va en prendre 50, ouais. On va aller chercher un maximum de potions et de trucs là. On va prendre ça, voilà. Avant que les bestioles n'arrivent, ok, c'est pas possible. Il n'y a rien du tout. D'accord, c'est pas grave. Aha! Voilà, allez, voilà. Donc on va aller chercher un maximum de potions, etc., etc., de manière à pouvoir anticiper les grottes suivantes, simplement, parce que ça, dans le genre pénible, c'est fort quand même. J'ai eu l'occasion de le découvrir avec la grotte précédente. Et si vous avez raté l'épisode, eh ben, je vous invite vivement à le voir parce qu'il est vraiment, vraiment casse-couille. Casse-couille, non pas au sens qu'il est chiant, hein, casse-couille au sens que y a beaucoup d'ennemis, y a beaucoup de choses, c'est voilà. Limite, c'était un boss à chaque chapitre, enfin à chaque un boss à chaque sous-niveau, c'était complètement abusé. Il y a aussi les potions roses, rose mauve plutôt, ici, que je veux impérativement parce que ça, c'est quand même relativement intéressant, c'est quand même. C'est quand même franchement pas mal. Donc, on prend ça tant qu'on peut. Allez, vas-y, porte quelque chose à toi, feignasse. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, je vais descendre avec des pics. Mais pourquoi ils font le tour comme ça, sérieux? Je vais. Est-ce qu'il y a. Ouais, est-ce qu'il y a la possibilité? Oui. Alors, allez. Oh, d'accord, tiens, super. Tu ne sais pas viser. C'est pas grave. Ça n'a pas encore repoussé. Ok. Ah, ici, il y en a. J'ai jamais fait attention. Voilà. Si ça va pas vite, là, je sais pas ce qu'il faut. Je vais essayer d'aller trouver des Pikmin mauves. Oh! Genre, nous avons été témoins de la beauté de la nature. On va récupérer des rouges. Voilà. Ouais, ils y sont tous, c'est cool. Ici, il n'y a rien. Ici, par ici, il n'y a plus rien, je pense. Non, il n'y a rien du tout. Ça a déjà repoussé, c'est génial. Alors, on m'avait dit, par contre, essaye peut-être de récupérer des potions, etc. Hors caméra, entre guillemets. Oui et non, j'ai pas envie d'avoir un décalage genre épisode 27 mais jour 28 ou inversement ou des oui voilà plutôt oui. Épisode 30 et jour 31 par exemple parce que j'ai fait un jour hors caméra et donc vous savez pas exactement ce qui s'est passé machin, j'ai pas envie parce qu'on ne sait jamais que j'essuie une énorme perte parce que y a un méga mob qui m'a agressé et que soudainement j'ai perdu plein de Pikmin et des trucs comme ça. J'ai pas envie de devoir commencer avec des explications, des justifications, des machins, des bazars. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Alors du coup, généralement, au début, vous savez un peu comment ça va se passer. Vous savez un peu comment les choses vont évoluer. Donc du coup, si l'épisode, si le fait de par exemple, passer tout l'épisode à aller rechercher des potions et des machins vous intéresse pas,
Bah, le regardez pas, simplement. Je veux dire, c'est pas agressif, hein, qu'on comprenne bien ce que je veux dire. C'est pas genre, quoi, ça te plaît pas? Bah, regarde pas, ça va, c'est tout. Non, c'est juste que, voilà, si le fait de voir un mec qui passe son temps à aller chercher des petites boules pour faire des flacons, ça vous intéresse pas, et je peux comprendre que ça n'intéresse pas certains, tout comme le level up, par exemple, dans Pokémon, ça peut ne pas en intéresser certains, et ben, simplement, ne regardez pas l'épisode, comme ça, bah, ça vous évitera de perdre du temps et de peut-être de râler au final, et voilà quoi, simplement. Maintenant, je précise bien encore une fois, c'est absolument pas dit sur un ton agressif ou quoi que ce soit. Voilà, je m'en fous concrètement, vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème, c'est pas le mien. Niveau des potions, où est-ce que je peux voir ça? Où est-ce que je peux voir ça? Est-ce que. Oui, alors, ici une et ici trois. Donc c'est. Non, je suis bête. C'est pas du tout ce que je voulais voir. Complètement stupide, c'est pas grave. Alors ici, 0 et ici 9. Donc il me manque. Oui, il m'en faut 10 à chaque fois, si je dis pas de bêtises. Donc là, il m'en faudra encore 9 pour avoir un nouveau flacon mauve. Par contre, ici, il m'en manque un. Donc en avoir juste un, ça serait peut-être pas mal. Cela dit, il y en a encore un quelque part là dans le fond. On va utiliser un maximum de temps. Ouais, c'est ici. On va utiliser un maximum de temps pour récupérer les flacons et les machins. Parce que comme ça nous permettra d'anticiper les bastons dans les grottes. D'autant que ça va assez vite quand même. Donc on va. Zut, c'est pas grave. On va faire ça pour l'instant. Et quand il nous restera genre le quart de la journée, on ira dans les grottes. Comme le temps ne passe pas dans les grottes, ben évidemment. Voilà. Comme le temps ne passe pas dans les grottes, ben on aura finalement tout notre temps pour aller chercher des Pikmin mauves. Le seul truc, c'est qu'il faudra. Il faudra juste un petit peu de temps pour pouvoir passer d'une grotte à l'autre. Mais voilà, donc ça sera évidemment que ça pour l'instant. Ça sera de la récup de Pikmin mauve et la récup de petites boules pour faire des potions. Et il me faudra surtout des potions rouges. Donc c'est pour ça que je passe mon temps d'une fleur à l'autre, quoi. Je vais les mettre tous au même endroit. Comme ça va aller beaucoup plus vite. Par contre, j'ai pas beaucoup de trucs à vous dire, beaucoup d'informations à vous donner concernant l'évolution de ma chaîne. Donc voilà, au niveau du commentary, ça va pas être super super chargé. Le seul truc par contre, c'est vrai, j'ai complètement oublié de vous le dire. Le seul truc par contre, c'est que je vous avais parlé du fait que je posterai mon émission de radio, je la posterai sur YouTube. Alors. Le seul truc, c'est que je ne voudrais pas avoir des soucis au niveau des droits d'auteur, parce que bon, les sagas MP3, les mono MP3 et tout ça sont sous licence Commons Creative. Donc à partir du moment où le créateur est cité, ben ça, il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas utilisé non plus à des fins commerciales, il n'y a pas de problème. Et sur toute façon, je le fais dans une radio bénévole, donc il n'y a pas de souci. Par contre, le souci, c'est que je passe également des chansons. Et le problème, c'est que YouTube a un système de droits d'auteur et tout le machin. Et donc, je ne voudrais pas me taper un strike sur ma chaîne sous prétexte que je passe des trucs protégés par les droits d'auteur et tout ça et tout ça. Donc, si jamais je poste une et que ça ne va pas, parce que bah, YouTube me fait des soucis, etc. La vidéo sera supprimée et sera postée sur une autre chaîne. Je créerai une autre chaîne à l'occasion. Ça me fait chier parce que du coup, ça m'en fait une troisième et ça m'avance pas des masses de faire plein de chaînes différentes. Donc voilà, mais du coup, ben, j'en ferai une troisième et je vous mettrai le lien dans mes chaînes favorites et tous ces machins-là. Donc vous pourrez retrouver mes émissions là-bas à chaque fois, simplement. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Mais je doute un peu, vu que franchement YouTube est un peu pénible à ce niveau-là, au niveau des droits d'auteur et tout ça. Je les comprends, en même temps, je les comprends parce que, comme maintenant il y a moyen de rémunérer ces vidéos, tout ça, bah, c'est afin de ne pas permettre à certains de se faire du beurre sur des trucs soumis à droits d'auteur et dont on n'aurait pas la possibilité d'utiliser, on n'aurait pas les droits légaux d'utiliser ce contenu-là et tout ça. Mais bon, voilà quoi, c'est quand même chiant. Non, c'est dans l'autre sens. Je vais reprendre uniquement des fleurs, des feuilles, des fleurs, bien sûr.
Donc, comment je fais? Comme ça, voilà. Oh, super. Bon, il faudra que je le fasse à chaque fois, c'est génial. Je vais zoomer parce que je vois que dalle. C'est pour trier en fait les fleurs des feuilles. Mais comme il ne se trie pas vraiment correctement. Ah si, c'est fini. Ok. Donc, hop, viens là toi. Je vais remettre les Pikmin là. Je vais aller visiter un chouïa les grottes. Histoire de voir s'il y a moyen d'en récupérer. Enfin, de récupérer des mauves du coup. Dans la grotte ici au-dessus, il y a peut-être moyen. Bon, je vais me dépêcher. De toute façon, les Pikmin me suivent ou pas, c'est pas grave. Est-ce que je peux y retourner par contre? Ah, yes, je peux y retourner. Ok. Donc, on descend. C'est parti. De toute façon, je trouverai pas énormément de fleurs à mon avis me permettant de transformer. Je vais juste faire gaffe. Ici, c'est pour des rouges. Là, qu'est-ce qu'on a? Nous n'avons rien. Je ne pense pas. Non, nous n'avons rien. Donc, on va descendre. On va descendre. On va pas prendre le risque de perdre les peu de Pikmin qu'on a. Ce serait quand même stupide. Et on va continuer. J'espère juste qu'il n'y aura pas un endroit où il faudra impérativement casser une barrière, machin, pour pouvoir continuer. Parce que sinon, ça va être chiant. Ici, du feu, on s'en fout. On s'en fout. Là au-dessus, on n'a rien. Donc, on s'en fout. On descend. Si ça se trouve, j'ai choisi une grotte où, comme par hasard, il n'y en avait pas. Ça, ce serait un peu dommage et un peu stupide aussi, mais c'est pas grave. Je vais pas passer mon temps à. Si je trouve une grotte, je vais pas passer mon temps à refaire la même à chaque fois. Ça serait un peu chiant. Là, c'est pour des Pikmin blancs. Et c'est tout. Super. Super, super. Ce serait vraiment sympa d'en trouver au moins une. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Ça c'est cool, maintenant faut pas que je les perde. Ça c'est autre chose. Ça serait quand même vachement con de les perdre maintenant. Voilà, j'en ai déjà 5, ça c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres d'électricité ici? Faut pas que je me fasse avoir bêtement. Ah cool, il y en a même une deuxième. Salut toi. Ça c'est bon. Je vais un peu tester un truc. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir? Ici, il n'y a pas moyen de sortir. Ok. C'est pas grave. Je vais descendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir et je vais voir s'il y a moyen de repasser à chaque fois dans la même grotte. Ce serait peut-être pas mal. Maintenant, ça m'étonnerait vu qu'il n'y aura pas eu le. Le repop, rien du tout, il n'y aura pas eu le refresh de la map, donc ça serait relativement étonnant. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là. Oh, ça c'est. Alors, ça c'est super! Ça c'est nickel. Ça c'est terrible, ça. C'est très très bien. Alors. Salutations, salutations, salutations. Hop. Et on s'en va. Je vais essayer de trouver un moyen de remonter. Ça serait vraiment pas mal de me filer un moyen de remonter. Merci, merci. Un moyen de remonter, non? Une fleur. Il y en a encore une ici. Seul problème, c'est que j'ai que 3 Pikmin. Ça, c'est un peu dommage. Bon, on va pas passer son temps à se concentrer sur les mobs. En plus, celui-là. Ok, voilà. Ah zut. Allez, ainsi, punaise. Triple idiot, allez, viens par ici. Voilà, et hop là. Voilà, viens par ici. Allez, allez, referme-toi. Allez. Quand tu veux. Merci. Voilà, donc ça,
C'est bon, donc du coup je sais que dans cette grotte-ci je peux au moins en avoir 15. Par contre en avoir 100 ça va être chiant, ça va être long. Et c'est un peu dommage. Alors. Bon, peu importe. Là, il y a moyen de descendre. Est-ce qu'il y a moyen de remonter? Je crois que ça veut dire non. Salutations, salutations, salutations. Et on se barre. Voilà, ça fait un peu le couloir qui tape et puis qui se casse. Enfin, non, c'est clairement ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Bon, il faudrait avoir la possibilité de remonter. Final floor, donc ici. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais te laisser là derrière moi. Voilà, ici. Ah, punaise. Et comme j'ai plus de rouge, il va falloir que je passe. Comme ça. Allez, allez, allez. Go, 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 go. Ok, c'est bon, ils sont tous passés. Tranquille. Alors, on longe le mur. Voilà. Et par contre, ça va être casse-couille de péter ça avec 13 malheureux Pikmin. Ça va être un petit peu long. Et là, je suis bien désolé. Du coup, je n'aurais pas à dire d'aller. Ah, oh bah non, en fait. Ah bah non. J'allais proposer d'aller titiller le boss, mais faut peut-être pas exagérer. Tout seul, ça va pas aller. Je peux peut-être lancer le président à la mort, comme ça, là. Au bûcher, ouais! Non, plus sérieusement, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais sortir. Déjà, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de retourner dans cette grotte-ci. Est-ce qu'il y a moyen à partir du menu de sortir de la grotte par contre? Ah, give up and escape. Ok, je ne sais pas ce que ça va donner du coup. Mais enfin, c'est pas grave. Là pour l'instant, je vais aller remettre les Pikmin mauves. Save, yes, ouais. Je vais aller remettre les Pikmin mauves dans le vaisseau. Et je vais voir si je peux retourner dans cette grotte-là. Pour récupérer les autres, enfin pour voir s'il y a de nouveau des fleurs ou pas, ça serait vraiment pas mal. Du coup, s'il y a moyen, il y a même une, il y a même une, que je dise pas de bêtises, une fleur blanche, donc ça serait pas mal. Bon, faut pas déconner, on va pas passer notre temps à faire ça. On va prendre 10 jaunes, ouais, on va prendre 10 jaunes et 10 bleus comme ça. Ça sera sacrifice, voilà. 10 jaunes et 10 bleus, voilà. Au cas où il y a moyen, comme ça fait 15 mauves. Et ça fait 15 mauves et 5 blancs. Et bon, tu vas venir le petit tout seul là? Bon, il sait qu'il est là, je sais pas. Enfin bref, donc ça fera 15 mauves et 5 blancs, ça c'est pas mal. Allez, passez. On s'en fout, de toute façon, c'est vrai, je suis bête. Je peux quand même continuer. Donc oui. J'espère qu'elles sont toujours là. Ça serait vraiment pas mal. Ça m'aiderait et ça m'évitera de chercher 4, 5. Voilà. Ça m'évitera de chercher 4-5 grottes avec des fleurs mauves. Et d'autant que là, il y en a 3. Donc ça serait vraiment, vraiment cool. On verra bien. Nous n'y sommes pas encore. Non, pourquoi je les sélectionne moi? Là, on continue à descendre. Continue à descendre, c'est chiant, je suis désolé, mais on continue à descendre. On va considérer ça comme un level up, hein. Ce sera pas mal. Alors, donc ici il n'y en a pas, donc je vais vite me dépêcher avant que mes Pikmin ne se fassent attaquer. Ça serait bête d'en perdre. Ça serait vraiment bête d'en perdre, d'autant que comme j'ai pas pris des rouges, ils sont pas trop trop portés sur la bagarre. Elles sont revenues et ça c'est super génial. Par contre, elles ne sont pas revenues. Il me semble que c'est un peu aléatoire à certains moments. Parce qu'il n'y avait pas l'arc électrique. Enfin, peu importe, elles sont revenues, ça c'est cool. Du coup, on va peut-être pouvoir faire tout cette fois-ci, si on a le temps. Non mais. Voilà, il me reste en jaune, oui. Alors, ici, c'est bon ça. Juste faire gaffe de ne pas me faire avoir par ce petit machin là. Un bleu, un bleu, un bleu, un bleu. Il tombe à côté, c'est super cool!
Donc, un bleu, un bleu, un bleu, un bleu, un bleu. Voilà. Je crois que je suis passé à côté du blanc, par contre. Je sais plus si c'était... J'ai l'impression que c'était avant. Et pas maintenant. Bon, c'est pas grave. Je vais tous les mettre là. On s'en fout de l'électricité. Voilà. Par contre, si à chaque fois il faut faire ça, ça va être chiant. Niveau 5. Ok, il y a un gros pavot qui dort là. Non, 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 ne me suivez pas, ne me suivez pas. Ça serait bien cool de votre part. Alors ici, nous n'avons rien. Et ici, nous n'avons rien. Donc on peut descendre. Niveau 6, et je crois que... Ouais, je crois que c'est au niveau 6 qu'il y a la dernière. Et puis après, il y a le niveau 7, c'est le boss. Ici, c'est une rouge, donc on s'en fout. Ah, il y a une mauve ici. Alors non, forcément. Hop, hop. Ah, zut. Et ils apparaissent au-dessus. C'est logique. Et voilà. Et le dernier, ici. Voilà. Donc du coup... J'en ai 15, ça c'est bien. Et je me demande si j'abandonne, je me demande ce qui se passe. Si j'abandonne ce qui s'est passé ou si je reviens avec... Donc là il y a une fleur rouge. Enfin j'aurais peur de perdre les Pikmin que je viens d'avoir en fait. Ça serait quand même vachement con. Donc là non. Ah, arrête de tourner comme ça, sale tête caméra. Donc... Allez, on continue à descendre et puis du coup, bah, on termine. On se retrouve donc avec 15 mauves en plus. Donc ça nous en fait 30. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire le reste hors caméra. Parce que je voudrais pas non plus que ça vous saoule, simplement. Voilà, c'est nickel. Donc, je vais faire le reste hors caméra, histoire d'en avoir 100. Comme ça, je pourrai aller récupérer cette petite pièce-là. Et ça sera bien cool. Par contre, j'ai pas eu l'œuf. Enfin, le nectar, l'œuf avec le nectar dedans. Donc du coup, ça va être un petit peu plus long. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici. Et on va éviter tout ça parce que ça commence à devenir un peu long. Je ne tiens pas à ce que ça vous saoule. Je vais donc faire les 100 et j'irai chercher la pièce dans l'épisode suivant, je pense bien. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, et donc bah, rendez-vous à l'épisode suivant, c'est-à-dire l'épisode 29, si je ne dis pas de bêtises, ouais, l'épisode 29, bon allez on est presque à 30, c'est pas génial ça quand même, bientôt on fera l'épisode 643 de Pikmin 2, non faut pas déconner, bon allez, ciao ciao, j'arrête de dire des conneries, à la prochaine, et d'ici là portez-vous bien, salut salut.